Bah, aujourd'hui, en fait, on est en capacité d'offrir des formations de transition à partir du moment où vous sortez de ce type d'études. C'est important parce qu'il faut bien comprendre qu'en Belgique, 40% des étudiants en première année, après l'enseignement général, ratent leur première année. Et donc, il faut impérativement consolider le socle des compétences avant de rentrer dans des études supérieures. La transition, elle est possible avec cette année de préparation. Et je pense que quand on est mieux préparé pour ces études supérieures, c'est toujours un atout. C'est toujours intéressant qu'un secteur investisse lui-même dans la formation, mais ce n'est pas son premier job, c'est pas le premier job du secteur. C'est d'abord le job d'Actiris à Bruxelles, et on se rend compte que ce n'est pas le cas, ce qui est un problème, puisque c'est quand même aberrant de voir qu'on souffre à Bruxelles d'un grand taux de chômage, un très très grand taux de chômage chez les jeunes, et que par ailleurs il y a des métiers en pénurie. Donc pour moi, c'est le premier acteur responsable, c'est effectivement Actiris. Et j'espère que les responsabilités seront prises à l'avenir à cet égard. Vous savez que dans ce gouvernement-ci, on a beaucoup travaillé sur les charges sociales. On les a diminuées de manière importante. Le MR, en tout cas, souhaite continuer à travailler sur les plus bas salaires en diminuant les charges sociales des salaires jusqu'à 2100 euros. Parce qu'on sait que quand on diminue les charges sociales des bas salaires, des salaires en général, on augmente le taux d'emploi, ce qui est fondamental. Vous savez aussi que ce gouvernement-ci a travaillé sur la mesure zéro cotisation pour le premier emploi. Le MR veut poursuivre cette mesure et même l'élargir aux trois premiers emplois. Alors on parle beaucoup de la black box. C'est vrai que la black box, elle devait être considérée comme une opportunité. Et ça pouvait être une opportunité si tout le monde joue le jeu. Je pense que la plupart des membres de l'ORECA veulent jouer le jeu et jouent le jeu. Mais il suffit d'un petit nombre de personnes qui ne jouent pas le jeu pour fausser complètement le système de compétition entre les différents restaurateurs dans ce cas précis. Donc je pense qu'il faut continuer à travailler avec cette black box et surtout faire en sorte que tout le monde joue le jeu, parce que sinon c'est ceux qui jouent le jeu qui payent le prix pour les autres, et ça ne va pas. L'autre difficulté aussi, c'est tout ce qui concerne la main-d'œuvre, le coût de la main-d'œuvre. Et vous savez que là-dessus, sur le coût de la main-d'œuvre, la diminution des charges sociales, le MR travaille énormément. C'est vrai que quand il s'agit d'une économie en constante évolution, on doit toujours s'adapter. C'est vrai que c'est très très difficile, quand vous donnez un acquis social, de le reprendre, même s'il n'est plus adapté. Et donc là, il va falloir quand même faire un petit peu de travail sur soi-même, sur qu'est-ce qui est encore d'actualité et qu'est-ce qui n'est pas. Ceci étant dit, les acquis sociaux sont très importants. Ça protège les travailleurs, ça protège aussi l'employeur. Il faut juste s'assurer qu'on ne complexifie pas de manière extrême le système ou le rende impayable, ce qui est aussi très important pour les employeurs. Dans la restauration, par exemple, c'est dès qu'un employé est malade, dès qu'un travailleur est malade, ça se ressent très fort sur les autres. Et c'est vrai que c'est très lourd. C'est très lourd de devoir prendre en charge. Mais ça, c'est la réalité à laquelle on doit faire face. Ce par contre sur lequel on doit travailler, je pense, c'est le contrôle. Parce qu'on se rend compte que le budget en fait maladie invalidité explose. Alors il y a d'une part des difficultés dues objectivement à la charge de travail, mais on peut aussi demander si par ailleurs il n'y a pas certains abus. Si c'est le cas, il faut absolument contrôler et y remédier, parce que ce n'est pas normal que les entreprises et surtout les petites doivent prendre ça en charge de manière excessive. Quand il y a des abus, ça ne va pas, évidemment. Il faut bien comprendre que de manière générale, on essaye de de protéger un maximum les petites et les moyennes entreprises. C'est ce qu'on a toujours fait au MR, que ce soit en termes de cotisations sociales, etc. On a travaillé beaucoup sur les cotisations. C'est vrai que la partie maladie reste une difficulté pour les petites et moyennes entreprises. On doit pouvoir continuer à travailler là-dessus. Ça fait partie d'une globalité. Et je reprends. La difficulté, je pense, pour une petite entreprise, c'est pas tant de faire face à la maladie, entre guillemets, normale d'un employé. On est tous un petit peu malades une fois dans l'année. Ça n'est pas ça qui va complètement chambouler le travail d'une petite ou moyenne entreprise. Ce qui va chambouler le travail d'une petite ou moyenne entreprise, ça va être le malade de longue durée. À ce moment-là, il y a une prise en charge par l'État. Ou le malade à répétition. Et quand il y a maladie à répétition, juste suffisamment pour ne pas rentrer dans des systèmes différents, à ce moment-là, on peut se poser la question du contrôle, qui à mon avis est important. Comme libéral, c'est toujours très très difficile de forcer un comportement. On n'a pas ça dans notre ADN politique. Nous, on a un ADN politique qui est pour la liberté, donc la liberté de choisir son comportement, aussi la liberté de choisir sa consommation. C'est aussi d'ailleurs pour cela qu'on est pour l'augmentation du salaire net dans la poche du travailleur,
peu importe de quelle manière que ce soit, mais surtout de la manière la plus librement consentie possible. Et donc retourner à un système où on va forcer un certain type de consommation, ça, je pense que ça n'est pas notre priorité. Je ne pense pas que ce soit, très honnêtement, la TVA appliquée sur l'eau que vous pourrez consommer dans un restaurant qui fait que oui ou non, vous preniez la décision de passer un moment au restaurant, que ce soit un moment familial ou un moment plus rapide pendant votre pause de midi. Vous savez qu'on a descendu justement déjà la TVA sur l'alimentation à 12%. On a déjà fait un effort là-dessus. Il y a par ailleurs le fait que quand vous servez de l'eau dans un restaurant, et c'est quand même ça qu'on essaye encore de défendre, c'est qu'il y a un service derrière. C'est important. Vous ne servirez pas de l'eau de la même manière que vous allez acheter quelque chose dans un supermarché. Et donc, je reconnais que la priorité n'est pas là. Alors, il faut être de bon compte. On ne peut pas à la fois demander d'investir dans nos infrastructures routières et ne pas accepter qu'il y ait des travaux. Par contre, là où ça ne va pas, c'est qu'on voit clairement qu'il y a énormément de marge de progression possible dans la concertation entre ces travaux, de l'organisation de ces travaux. Moi, j'ai été échevine des classes moyennes, donc du commerce dans ma commune, et je n'ai jamais considéré pouvoir envisager, quels que soient comme travaux publics, sans me concerter directement avec les commerçants qui connaissent les habitudes de leurs consommateurs, qui savent ce qui est important pour eux, donc pour le tissu social, parce que le commerce, c'est aussi ça. Et dans le commerce, il y a les restaurants. Et donc, je pense que c'est cette concertation qui manque cruellement et qui est importante de réorganiser, de réinventer, certainement à Bruxelles.